Aujourd'hui, exceptionnellement, on change de décor. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo des énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Oui, comme ça s'entend, ma voix n'est pas tout à fait revenue, donc c'est pour ça que je vais pas trop crier, que je vais pas faire une vidéo trop longue, surtout que je voudrais économiser un petit peu ma voix pour faire le live de ce soir sur Twitch à 20 h. Ma petite façon de vous faire une petite promotion comme ça, hein. Allez me follow, allez me suivre sur Twitch, puisque ce soir à 20 h, on sera sur Unlock, et ça va être bien, on va passer une bonne soirée encore une fois. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez tous bien. Oui, j'ai changé de déco, je suis pas dans mon bureau, je suis dans mon salon, et je suis avec tout mon appareillage là de stream, parce que j'ai Cédric tout simplement qui est en train de faire dodo dans la chambre, il se fait une petite sieste au moment où je suis en train d'enregistrer la vidéo, donc j'allais pas aller le réveiller. Je me suis dit que j'allais faire ma petite vidéo ici, et ça peut être pas mal de temps en temps, alterner comme ça le bureau et le salon, comme ça vous aurez l'impression de changer de déco, tout ça, et puis voilà. Allez, on va donc faire nos énergies de fin de semaine, donc la semaine du... attendez, parce que l'avantage c'est que j'ai mon PC avec moi, j'ai mes écrans, tout ça, donc pour du 6, enfin, à partir du 5 jusqu'au 8 mai 2022. Des petites annonces rapides pour vous dire que le week-end de Beltane s'est bien passé, et que c'est très dur pour moi depuis lundi là d'être cloué au lit, alterné lit, canapé, canapé, lit, de pas pouvoir parler, c'est très chiant, de pas pouvoir faire de stream, de pas pouvoir faire vidéo, j'en ai marre, j'en ai plus que marre. Donc comme j'ai ma voix qui aujourd'hui semble vouloir un petit peu revenir, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur, et j'aime pas rester comme ça sans rien faire, j'ai horreur de ça. Voilà, mais bon, comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire une vidéo qui soit pas trop longue. Des petites annonces rapides pour vous dire qu'il vous reste que une dizaine de jours avant le rituel de la pleine lune, donc n'hésitez pas, si vous voulez participer, c'est maintenant, hein, c'est maintenant, il reste 10 jours, ça va vite être là. Donc pour participer au rituel de la pleine lune, c'est très simple, vous le savez maintenant, hein. Donc vous allez sur mon lien PayPal qui se trouve sous le titre, vous avez le titre de la vidéo avec le petit, la petite flèche ou le petit plus, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une liste déroulante dans laquelle vous trouverez le lien de mon PayPal. Sinon vous utilisez l'oeil dans le noir @gmail.com, tout en minuscule, tout attaché, vous me faites le petit versement des 5 € avec votre nom, votre prénom, et vous me mettez bien joint au message votre vœu et votre anti-vœu, puisque je vous rappelle que le rituel de cette prochaine pleine lune sera la balance karmique, où on utilisera magie blanche et magie noire pour réaliser votre vœu et essayer de briser un blocage ou un anti-vœu également. Donc vous mettez tout ça avec votre petit paiement, vous pensez bien à faire entre proches et pas entre professionnels, sinon PayPal prend des frais à chaque fois et vous le savez, c'est chiant, surtout que c'est plusieurs centimes, et ça me gonfle, j'en ai marre, il y en a marre de payer en fait, sans arrêt, payer, 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 toujours payer. Et nous, qui nous paye? Qui nous paye, hein? Qui nous paye? Personne. Et puis voilà, donc pour les annonces, ça sera tout. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Twitch, hein, vous le savez, je deviens de plus en plus actif sur Twitch, et je vais le devenir encore plus, puisqu'il n'y aura pas que des jeux de société, il y aura aussi des jeux vidéo, mais il y aura aussi des soirées paranormales, avec des guidances, du spiritisme, des choses comme ça. Il y aura du cosplay, du make-up, bref, ma chaîne Twitch, c'est vraiment mon monde, mon univers, c'est le jojo sans filtre, sans rien, hein, puisque sur la chaîne, j'essaye de garder un minimum de sérieux et d'avoir, comment on pourrait dire, une ambiance un peu studieuse, éducative, hein, même si ici c'est la bonne humeur, on s'amuse, on rit, on chante, enfin on chante, non pas trop, pas trop en ce moment, depuis quelques jours on chante plus bien, non, on chante plus bien, on parle plus bien non plus, on... Mais voilà, donc si vous voulez profiter et passer des bons moments entre nous, N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, c'est le même nom de chaîne, vous l'avez pareil dans la barre d'infos également, sinon c'est œil, à chaque fois séparé avec le tiret du 8, œil, tiret du 8, dans, tiret du 8, le, tiret du 8, noir, hein, donc œil dans le noir, et à chaque fois séparé avec le tiret du 8, et puis voilà. Allez, on y va tout de suite pour nos énergies donc de fin de semaine, j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc on va utiliser les cartes de Clos pour faire les énergies maîtresses, on va utiliser l'oracle DCK pour venir un petit peu préciser tout ça. On se fera un petit conseil avec le livre oracle de chez Arcanas Sacra. On se fera également avec le rond de cristal des petites prédictions et puis on terminera avec une petite baguette chinoise. C'est parti, on va commencer peut-être directement avec les cartes de Clos pour avoir nos énergies principales pour cette fin de semaine. Je suis désolé, hein, mais j'ai pas pu vous faire les énergies de début de semaine parce que comme vous le savez, c'était tout le week-end de Beltane et j'avais toute la vidéo à monter et je suis rentré, c'était très tard, il était presque 9 h, le petit était couché, tout ça, je voulais pas faire de bruit donc j'ai pas fait de vidéo et puis j'avais la voix déjà qui commençait à dérailler sévère puisque tout le dimanche ça a été compliqué, depuis le samedi soir en fait, voilà, entre samedi soir et dimanche matin j'avais la voix déjà qui commençait à dérailler et le dimanche soir ouais, j'étais vraiment naze. Et puis bah, la suite vous la connaissez hein. Je vous ai fait des petits shorts, vous avez pu entendre ma voix formidable. C'est la première fois que j'ai la voix comme ça qui s'est barré, hein. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus un son qui sortait de ma bouche. Au plus grand plaisir de Cédric évidemment, hein, parce qu'il n'en peut plus de m'entendre parler, mais votre plus grand déplaisir parce que du coup j'ai rien pu faire. Allez, on y va donc pour nos énergies de fin de semaine du 5 au 8 mai 2022. Et c'est parti les amis, nous avons la carte de la glace, qui pourrait nous parler ici de quelque chose qui est gelé ou quelque chose qui ne va peut-être pas progresser comme vous le voudriez sur cette fin de semaine, peut-être que vous attendez certaines réponses ou peut-être que vous aimeriez que certaines choses se débloquent, c'est peut-être pas encore pour ces jours à venir, hein. C'est peut-être falloir attendre soit la semaine prochaine, mais là on vous fait comprendre avec la glace que la situation est bloquée, qu'elle est gelée, ça ne veut pas dire qu'elle est... que c'est bloqué de façon définitive, hein, que c'est mort, non, simplement c'est bloqué pour l'instant et il va falloir patienter un petit peu avant que ça dégèle tout simplement. Le seau. Le seau, c'est très intéressant comme carte parce qu'ici, ça nous fait appel à quelque chose, le fait de passer à autre chose. C'est-à-dire que si pour l'instant, vous êtes bloqué sur cette fin de semaine, si vous êtes bloqué sur quelque chose, sur une situation qui n'avance pas ou qui est bloquée, eh bien, ne vous prenez pas la tête, ne perdez pas ou ne consacrez pas de l'énergie à quelque chose qui pour l'instant ne peut pas se faire. Mais passez à autre chose, hein, et puis vous y reviendrez quand le dégel sera là, quand la situation se sera un petit peu débloquée, ou quand les conditions seront mieux, meilleures, là vous pourrez revenir sur votre situation initiale, mais pour l'instant voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que vous prenez pas la tête, laissez faire, laissez les choses se calmer, laissez les choses se tasser, passez à autre chose, sautez, hein, sautez au-dessus de cet obstacle, de ce problème, de cette chose qui est bloquée, ne vous prenez pas la tête avec, ça reviendra, vous y reviendrez, mais pour l'instant, passez à autre chose. Et la dernière carte, on a la boucle. Oui, alors la boucle, hein, vraiment, ouais, on revient à cette idée, et en d'autres decks, on a la carte du sable. Carte du sable ici présente. Donc ok, la boucle nous parle de quelque chose qui se répète, quelque chose qui tourne en rond. Donc effectivement, si sur cette fin de semaine, vous êtes dans une situation qui est bloquée, mais bloquée parce que à chaque fois, ça se finit toujours pareil. Imaginons, moi, je sais pas que... vous essayez de discuter avec quelqu'un, vous essayez voilà, de trouver des solutions, mais cette personne est hermétique, cette personne se braque, elle se bloque, et à chaque fois, eh ben, c'est pareil, ça finit de la même façon, à savoir eh ben, quelque chose de stérile, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est bloqué. Eh bien, peut-être que cette problématique ne provient pas de vous, mais soit de la personne, soit de conditions extérieures, soit de choses qui ne dépendent absolument pas de vous. Imaginons, moi je sais pas, pareil, vous faites un un crédit pour demander une maison, par exemple, et puis à chaque fois la banque bloque sur quelque chose, un papier, eh bien c'est pas grave, enfin, c'est pas grave, c'est embêtant, mais je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, donc vous prenez pas la tête là-dessus, c'est pas encore le bon moment, ça veut toujours pas, c'est bloqué, cette personne, elle est têtue comme, comme une mule, elle veut pas entendre raison, et eh ben c'est pas grave, arrêtez d'insister, arrêtez d'en rajouter, parce qu'en plus ça pourrait faire dégénérer la situation et pas forcément à votre avantage. Donc ne forcez pas les choses, si vous sentez que c'est bloqué, hein, c'est comme une serrure, hein, quand on sent que la serrure ça bloque, ça sert à rien de forcer parce que vous allez péter la clé et la clé va rester coincée dedans et tout le monde va être bloqué après, hein, et ça va coûter plus cher. Donc voilà, ne forcez pas, si vous sentez que ça vient pas, que ça bloque, eh ben c'est pas grave, vous passez à autre chose, vous pensez à autre chose, vous faites autre chose en attendant pour vous sortir aussi de ce cercle, de cette chose comme ça qui se répète, et puis quand ce sera le bon moment, hein, quand les conditions seront réunies pour que ce soit un moment plus propice, et eh bien là vous reviendrez à ce moment là. Allez, on va continuer avec l'oracle des DCK. Nous avons la carte de l'ampoule qui pourrait ici nous faire penser à des idées. Peut-être que de vous-même, alors là, ce que je vais vous dire, ça peut être un lien avec les autres cartes ou ça peut être quelque chose de différent, d'accord? L'ampoule pourrait nous parler ici d'idées. Peut-être que pour cette fin de semaine, vous allez avoir une sorte d'illumination ou une idée, ou peut-être que vous allez avoir des éléments de réponse ou une réponse à une question qui va vous permettre de pouvoir vous éclairer sur une situation un petit peu floue, un petit peu embrumée, quelque chose qui est un petit peu comme ça, comment on pourrait dire, chimérique. Et cette idée, ou ces idées, ou ces éléments de réponse pourraient vous fournir des pistes, des réflexions, et peut-être même un nouveau chemin qui vous serait proposé. Pourquoi je vous dis un chemin? Parce que regardez ici, on voit sur la carte une sorte de carrefour avec des flèches. Donc peut-être ici qu'il y a une notion de vouloir partir dans tous les sens, de s'éparpiller un petit peu, et qu'il est temps de, eh bien, comme l'ampoule sur la carte, de redéfinir les choses. Peut-être que vous êtes à un instant de votre vie ou que vous vivez une situation où il y a plein de choses qui sont en train d'exploser un petit peu comme du popcorn. Peut-être que vous avez plein d'idées, vous avez peut-être plein d'envies, plein de choses qui se présentent à vous, ou alors vous aimeriez mettre en place plein de choses, ou peut-être que vous partez en ce moment dans tous les sens, vous vous éparpillez un petit peu. Eh bien, au contraire, il va falloir un petit peu faire comme un entonnoir, vous faire une sorte de bulle autour de vous pour redéfinir les contours de quelque chose, peut-être venir préciser également quelque chose. Si vous travaillez à l'heure actuelle sur un projet, c'est très bien, c'est une bonne initiative, mais si en même temps vous travaillez sur autre chose, si vous pensez aussi à autre chose, vous n'allez pas consacrer la pleine énergie à ce projet, d'accord ? Donc il faudrait venir redéfinir tout ça, venir poser et délimiter des limites afin que les choses ne s'éparpillent pas. Et en concentrant ainsi votre énergie, vous allez pouvoir rayonner et diffuser de façon plus efficace. Hein, si je prends par exemple une ampoule c'est ça, une ampoule permet de pouvoir diffuser la lumière de façon homogène. Que si on mettait juste un filament, bah, d'une part ce serait dangereux, et puis d'autre part la lumière ne serait pas homogène et ne se diffuserait pas de façon correct. Et bien pour vous c'est peut-être la même chose, c'est-à-dire que pour cette fin de semaine vous allez peut-être être poussé à partir un peu dans tous les sens. Non, il faut impérativement que vous recentriez sur l'essentiel, que vous puissiez définir et préciser les contours de quelque chose, préciser une situation, votre projet, une envie, peu importe, mais il va falloir venir définir les choses si vous voulez que tout soit homogène et que tout soit diffus. Ah, et en plus vous avez la chance qui est avec vous, regardez, on a le trèfle avec la coccinelle, donc pour moi, ça voudrait dire que les idées que vous pourriez avoir ou les idées que vous allez mettre en place ou les envies que vous voudriez pouvoir concrétiser, la chance est avec vous. Ça veut dire que profitez, hein, les énergies, les augures sont en train de vous dire oui tu peux, c'est le bon moment pour le mettre en place, c'est le moment idéal pour le réaliser. Si tu le fais à ce moment-là, les choses se réaliseront comme tu le souhaites ou prendront la tournure que tu voudrais qu'elles prennent. Donc ici c'est vraiment une carte qui est très positive. On est en train de vous dire que même si vous vivez quelque chose de difficile à l'heure actuelle, même si vous traversez une situation qui est difficile, même si vous semblez comme ça être perdu parce que vous essayez de mettre plein de choses en place et c'est ça qui fait que vous partez dans tous les sens, c'est pas une mauvaise chose parce que parfois le fait de partir dans tous les sens, ça peut nous permettre de trouver la direction. la bonne direction justement. Donc là on est en train de vous dire que ce que vous vivez à l'heure actuelle, eh bien essayez d'en tirer quelque chose de positif pour trouver un sens, pour venir redéfinir un contour, pour venir préciser quelque chose, pour pouvoir illuminer et irradier par vous-même, parce que il y a des choses que vous avez à l'intérieur de vous, un potentiel qui est présent, les choses dépendent de vous et de comment vous allez les utiliser, comment vous allez les appliquer, comment vous allez les mettre en scène. Oh, et la dernière carte, regardez, on a la carte de la victoire avec un joli trophée qui est en première place. Donc ici, ça vient vraiment corroborer le trèfle qui nous dit la chance, hein, le fait de la... Oh là là, et d'autres decks. Le dos de deck, regardez le dos de deck comme il est beau. On a un oiseau comme ça qui sort de sa cage. C'est extraordinaire. Alors on a un joli message qui est très positif là, qui est en train de nous dire que vous avez tout, vous allez réussir, mais il faut que vous y croyez. Pour moi, là, ce podium avec le trophée, tout de suite, j'ai l'image des, vous savez, des gymnastes, des athlètes, tout ça, qui vont travailler très dur, qui vont développer leurs capacités, leur potentiel et qui vont tout mettre en œuvre pour réussir leur épreuve et sortir victorieux de cette épreuve. Et bien vous, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que la victoire ne sera pas gratuite, la victoire ne va pas venir comme ça, elle ne va pas tomber du ciel de façon gratuite. Non, c'est à vous aussi de mettre en place des choses, de donner le meilleur de vous-même, de, eh bien, tout simplement, c'est ce que je vous dis, d'irradier comme ça de lumière, de rayonner, mais en mettant en œuvre, en ayant les bons outils et en utilisant ces bons outils. Si vous y mettez tout votre cœur, la réussite est là, elle se présentera à vous. Donc par conséquent, pour cette fin de semaine, on pourrait nous parler d'une réussite. Mais attention, une réussite qui sera méritée. Si vous travaillez dur, si vous mettez en place les choses, si vous les demandez, si vous les méritez, vous les obtiendrez. Par contre, si vous attendez que les choses arrivent, elles viendront pas comme ça gratuitement, d'accord, hein. Si vous voulez décrocher ce trophée, il va falloir y aller. Si vous restez sur la ligne d'arrivée, non, le trophée, il va pas se décrocher comme ça, d'accord. Ça va être à vous aussi de donner le meilleur de vous-même. Et puis, la cage, cet oiseau qui se libère, bah, très clairement, ici, ça nous parle d'une libération, le fait de se délivrer de quelque chose. Donc, pour cette fin de semaine, pourriez, pourquoi pas, apprendre une bonne nouvelle qui va vous permettre de pouvoir vous délivrer d'un poids, qui va permettre de pouvoir vous délivrer d'une situation. Ça peut avoir un lien avec la situation que je vous disais, la situation gelée. Hein, la situation gelée peut représenter la cage, le fait d'être bloqué, le fait d'être enfermé dans quelque chose, emprisonné, c'est comme la glace. La glace, elle emprisonne. Et bien ici, ça pourrait nous parler d'une délivrance de quelque chose dont vous allez vous délivrer. Ça peut être aussi la délivrance de ce cercle vicieux. Hein. Peut-être que justement, en passant au-dessus de l'épreuve, en vous disant c'est bon, j'ai suffisamment consacré de l'énergie, du temps, etc. pour cette chose ou pour cette personne. Maintenant, stop. Je pense à moi, je mets en place les choses pour moi et moi seul, et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir franchir une étape et vous délivrer de quelque chose dont vous êtes prisonnier pour l'instant. Ben, honnêtement, c'est quelque chose qui est très positif, hein, vraiment très positif. Allez, on va continuer avec le rond de cristal. Et nous avons un deuil à faire. Donc deuil à faire, on est encore dans cette idée de quelque chose qu'il faut laisser derrière soi, quelque chose dont il faut accepter que ce soit terminé ou tout simplement apprendre à lâcher prise. Hein. Un deuil, pour réaliser son deuil, c'est quand on prend pleinement conscience qu'on a perdu quelque chose, que c'est ainsi, on ne pourra pas revenir en arrière, mais que nous, nous sommes encore vivants et que la vie continue et qu'il faut continuer. Donc ici, si on nous parle de quelque chose qui se termine ou qui doit se terminer, eh bien, apprenez à lâcher cette chose. Hein. Comme je le dis souvent, le passé, on vit avec et non dedans. On a une décision à prendre. Bah, j'ai envie de vous dire, la décision à prendre, oui, ça colle avec tout le tirage qu'on vient de réaliser. Puisque je vous parle ici de passer à autre chose, de sauter une étape en attendant d'y revenir ou pas. Donc c'est une décision à prendre, de se dire ok, est-ce que je lâche l'affaire maintenant, je sais pas moi, ça fait 5 ans que je travaille au corps cet homme ou cette femme pour qu'il m'aime. Est-ce qu'il ne serait pas temps maintenant, au bout de 5 ans, de passer à autre chose, de se dire que si il ou elle était décidé, bah, il aurait pris sa décision et que maintenant c'est peut-être à vous de prendre votre décision en disant non, stop, maintenant j'ai assez donné, j'ai assez consacré, stop, maintenant, stop. Et on a un choix à faire. Bah, la décision à prendre et le choix à faire, ça va avec, c'est tellement logique en plus. Et en d'autres decks, on a une promotion. Ah, la promotion, sur le coup, j'ai hésité à vous la dire, la promotion, parce que effectivement, la carte du saut peut symboliser le fait de gagner un cran, une étape. Mais ça colle aussi bien avec le podium, hein, c'est-à-dire de 3e place, on passe à la 2e, à la 1ère. Donc ça pourrait nous parler ici d'une évolution, de quelque chose qui va graduellement évoluer et grandir. Donc ça peut nous parler, pourquoi pas, d'une promotion dans le travail. Je vous la souhaite en tout cas, si vous l'avez méritée. Mais si vous l'avez méritée, que vous avez travaillé dur, je vous souhaite bien sûr cette promotion. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, eh bien peut-être que ça peut nous parler ici, pourquoi pas, de trouver un emploi. Là aussi, je vous le souhaite vraiment de tout cœur, je vous le souhaite. Ça pourrait nous parler de quelque chose qui va gagner en grandeur, en niveau, en conscience. Mais pour moi, ici, il y a quelque chose qui est lié à une étape. Franchir une étape, s'affranchir de quelque chose pour franchir une étape. Vous voyez, il y a vraiment ici un aspect de laisser un poids, laisser un boulet, laisser quelque chose qui leste, hein, pour justement prendre de la hauteur, gagner de l'altitude. Il y a vraiment ici le fait d'abandonner quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous retient au sol également, pour pouvoir, eh bien, évoluer, d'accord? Je pense qu'effectivement, sur cette fin de semaine, vous serez amené, pourquoi pas, soit à prendre des décisions, rompre des choses. Alors quand je dis rompre, c'est pas forcément des relations, mais rompre, ça peut être rompre des habitudes, rompre des choses que vous ne voulez plus, que vous ne voulez plus vivre, que vous ne voulez plus subir, que vous ne voulez plus pour votre vie, pour votre évolution ou quoi que ce soit. Ça pourrait être, pourquoi pas, un acquis de sagesse, de maturité, une prise de conscience, vraiment quelque chose, voilà, qui vous fait comprendre que il faut vous délivrer de quelque chose et il faut passer surtout à l'étape supérieure. Ok, allez, on va continuer avec le livre des oracles et on terminera avec notre petite baguette chinoise. Comme d'habitude, je vous invite à, pourquoi pas, à fermer les yeux, on essaye de penser à rien et on se laisse tout simplement porter par ce que le livre va nous dire. J'ai envie de me mettre vers le début, je sais pas pourquoi, je sens ici. Prenez soin de votre corps, il est votre temple et il a besoin de votre attention, d'être aimé, accepté, considéré et choyé. Ne le négligez pas. Bain parfumé, massage, repos ou sport, cure détox, à vous de savoir ce qui est bon pour vous et ce dont vous avez besoin. Allez voir un professionnel si vous pensez que vous avez besoin d'aide. Renseignez-vous sur les cycles et les saisons pour savoir comment votre corps fonctionne en harmonie avec la nature. Un corps équilibré sans carence vous permet de gagner une énergie, en vitalité, d'avoir l'esprit clair et positif. Remerciez chaque jour votre corps de vous porter. Et bien regardez ça, on a un joli message là, hein. Franchement, on nous parle de prendre soin de notre corps, et moi c'est drôle, ça me parle beaucoup, hein. Parce que c'est vrai que sur la fin de semaine, j'ai un peu usé et abusé, hein. J'ai tiré sur la ficelle, le fait d'avoir pris les lives, etc. Du coup, ça m'a rajouté du rythme, et là c'est vrai que ce week-end, mon corps, je l'ai pas épargné, et il me le fait payer au prix le plus fort en revanche. Et bien c'est exactement le même message pour vous, c'est dire apprenez à écouter votre corps, et peut-être que ce dont vous devez vous délester aujourd'hui, c'est soit des mauvaises habitudes alimentaires, des choses un petit peu sédentaires qui sont responsables ou en partie responsables de certains problèmes de santé, voilà. Donc peut-être qu'il est temps d'écouter votre corps. Si votre corps vous dit stop, si votre corps vous dit non stop, là je peux plus, j'arrive plus, ne forcez pas, ça sert à rien, parce que sachez bien une chose, c'est que votre corps gagnera toujours. Toujours, quoi que vous fassiez. Si votre corps ne vous suit pas, votre esprit peut bien déjà y être, c'est le corps qui compte aussi, hein. Alors le corps aussi, il faut que le corps et l'esprit soient connectés tous les deux, mais si vous voulez qu'ils soient connectés tous les deux, il faut prendre soin et de l'un et de l'autre. D'accord? Et ne cherchez jamais à dépasser vos capacités, c'est-à-dire faites ce dont vous vous sentez capable et surtout de quoi vous êtes capable. D'accord? C'est combien de fois il y a des personnes qui se disent « Ah non, moi je suis fort, j'ai les épaules larges et tout et tout et tout » et puis non, en fin de compte. Hein, voilà. Donc non, il n'y a rien d'humiliant à dire qu'on est un être humain avec nos failles, nos faiblesses, nos limites. Et quand les limites sont arrivées, quand on, que ce soit de tout, hein, je parle autant mentalement, sentimentalement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, voilà, quand on a atteint nos limites, qu'on sent qu'on n'y arrive plus, qu'on est épuisé, qu'on est fatigué, il faut savoir dire stop, et il faut prendre du temps après pour soi, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Allez, on termine maintenant avec notre petite baguette chinoise. J'ai le numéro 37 en tête. Je vous jure, si c'est la baguette 37 qui sort, ce serait fou. 23. Pourquoi j'ai eu 37 ? 7 et 3, 10. Non, je sais pas. Peut-être que ça parlera à quelqu'un, le chiffre 37. 37, 37 ans, dans 37 jours. 37 semaines, ça fait beaucoup. 37 jours, ça conduit à quoi ça? Ça conduit à vers la fin juin à peu près. Ouais, vers la fin juin. Je sais pas. Bon, je sais pas. J'ai eu le chiffre 37, ou peut-être c'est 3 et 7. Je sais pas. Bon, je sais pas. Alors, nous, on allait à 23 en attendant. Donc 23. Vous êtes entouré d'illusions et de nombreux dangers cachés vous guettent. Alors que vos perspectives d'avenir peuvent paraître bonnes, ce n'est peut-être pas vraiment le cas. Il vous faut considérer toute nouvelle chance de gagner plus d'argent avec une grande prudence car elle pourrait mal tourner. De même, l'un de vos proches pourrait vous tromper, en particulier en ce qui concerne les enfants. Des mots cachés peuvent vous perturber sur le plan physique et vous feriez bien de passer bientôt un examen médical complet. Oh, bah là... Alors, je suis désolé, c'est vrai que le message, il peut... Je sais pas si vous allez voir. Oui, si. N'hésitez pas à mettre pause. Non, il veut pas me faire... Bon, il veut pas. Je suis désolé, le message, il fait un peu peur. C'est vrai qu'il peut paraître négatif, mais moi, je le vois plutôt avec une certaine forme de bienveillance pour nous prévenir de quelque chose. Et effectivement, finalement, ça colle bien avec le tirage parce que je vous disais que quand on cherche... à forcer quelque chose qui ne doit pas se faire, ça finit par dégénérer. La glace, par exemple, la glace, plutôt que de prendre le risque de commencer à la creuser, à travailler, machin, pour aller récupérer ce qu'il y a au fond de la glace, non, c'est périlleux, c'est dangereux, il vaut mieux passer à autre chose, revenir quand la glace aura fondu, puisque du coup, ça sera après à portée de main, il n'y aura plus qu'à se servir. Bah là, c'est le même principe. Ne cherchez pas à vouloir plus, ne cherchez pas à forcer plus, et il y a vraiment quelque chose en lien avec la santé. Écoutez votre corps. Si votre corps vous envoie des signaux depuis quelque temps, écoutez ces signaux-là parce qu'il y a peut-être quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération. Alors bien sûr, je ne vous souhaite pas des problèmes de santé, bien évidemment. Mais ici, ça pourrait nous parler, pourquoi pas, qu'il est peut-être temps de faire un petit check-up pour vérifier que tout va bien. Et si par exemple, je sais pas, vous souffrez de fatigue chronique depuis quelque temps alors que vous n'êtes pas forcément familier de ces mots, ou si vous avez des migraines assez régulières, enfin des choses comme ça qui viennent ponctuer votre quotidien depuis quelques semaines ou quelques mois et que vous n'êtes pas sujet d'habitude à ce genre de mots, et bien peut-être que ça peut être ici le signal de votre corps qui vous dit il y a quelque chose qui déconne en moi, il faudrait que tu fasses quelque chose là. Voilà. Donc ici, il y a vraiment un aspect de santé et ça peut aussi nous parler sur d'autres domaines spirituels, émotionnels, etc. Si comme ça il y a des signaux, parce que sachez que le corps il sait vous parler, mais c'est vous qui savez pas l'écouter. C'est-à-dire que votre corps, quand il vous envoie certains mots, certaines pathologies dans le corps, c'est souvent la symbolique ou la signification de quelque chose de plus profond. Je prends un exemple très concret. On dit par exemple souvent que les maux de ventre, le ventre c'est le deuxième cerveau, et souvent les maux de ventre c'est les maux de l'âme. Et c'est vrai, je le vois moi qui souffre particulièrement des intestins, bon, en plus de la petite cochonnerie que j'ai, mais moi qui souffre des intestins, et quand je lis un petit peu le descriptif des mots que j'ai, ça correspond aussi à ce que je vis dans mon état émotionnel, à savoir du stress, de l'angoisse, etc., etc. Donc si vous avez comme ça des pathologies, alors attention, tout ne s'explique pas. Si vous avez une pathologie grave, ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça, et en réglant ça, la pathologie disparaîtra. Non. Je pense par exemple à des cancers, des choses comme ça. Non. Alors oui, c'est vrai que le cancer, quand même, il se manifeste avec certains facteurs. Si vous êtes porté sur la bouteille ou sur la cigarette, c'est sûr que vous êtes plus enclin quand même à développer certaines choses. Mais voilà, pour vous dire que en principe, certaines maladies, certains maux du corps qu'on n'a pas d'habitude, qui se mettent à se développer, peuvent être la signification de quelque chose. Donc ici, on vous dit d'écouter votre corps, de décrypter les symptômes que vous avez, parce qu'il y a peut-être des choses à découvrir, d'accord? Donc pour cette fin de semaine, faites-moi le plaisir de penser un petit peu à vous, de profiter à vous, et puis voilà. Et surtout, finalement, le message aussi nous dit de profiter des choses telles qu'elles sont. Ne vous projetez pas trop loin en avance. Je parlais par exemple des problèmes d'argent, c'est sûr qu'on a tous des problèmes d'argent, mais parfois, à trop en vouloir, ça peut nous pousser à faire des bêtises, et des bêtises qu'on regrette alors quand je dis des bêtises, je pense pas forcément à des fraudes, des choses comme ça, non, mais le fait de demander, je sais pas, par exemple de l'argent à des amis, etc., et ben peut-être que, hein, vous savez, l'argent, après il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien quand il est question d'argent, hein. Donc peut-être qu'en faisant ça, et ben ça va peut-être créer des tensions plus tard, donc du coup créer des problèmes à venir que vous auriez pu éviter, vous voyez. Donc ici, voilà, pour moi ce message, oui, il est négatif, mais il est bienveillant dans le sens où on cherche à vous prévenir de quelque chose, d'accord? Donc essayez de décrypter les signes et évitez, tout simplement, évitez-vous des problèmes que vous auriez pu éviter, hein, tout simplement. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies de cette fin de semaine. Et ben écoutez, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez envie que je vous fasse et ben des vidéos comme ça dans le salon et tout, que ça change un petit peu du bureau, ça peut être sympa. Et puis ça peut être doublement sympa parce que je pourrais peut-être vous faire des trucs un peu spéciaux. Enfin voilà, on verra. N'hésitez pas à me mettre du coup en commentaire si ça vous a plu. En attendant, moi je vous embrasse et je souhaite de passer une très bonne fin de semaine. J'essaierai de vous faire des vidéos sur la fin de la semaine. Entre autres, j'ai des reviews à vous faire. J'ai des choses aussi, vous allez voir, je vous ai prévu des guidances, des choses, voilà. Mais faut juste que je sois pas trop malade parce que hier je me suis fait une petite montée de fièvre. J'espère que je vais pas retomber malade parce que j'en ai un peu marre, autant vous dire. Là, depuis le début de l'année, c'est bon, j'en ai marre. Donc comme d'habitude, le petit racolage des youtubeurs, si la vidéo vous a plu, vous likez, vous mettez le petit commentaire, etc., etc., vous vous abonnez à la chaîne, et puis venez aussi me rejoindre sur Twitch, ça me ferait très plaisir, parce que dans les lives, je peux parler avec vous et tout, et voilà, c'est sympa, et pour ceux qui seront là ce soir, je vous dis à ce soir 20 h sur Twitch pour Unlock, on fera Arsène Lupin et le grand diamant blanc, voilà, je pense qu'on va bien s'amuser encore une fois. Allez, sur ce, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos.